plébiscité par les éleveurs pour son arrivée en Anjou en 2014, le classique Neutron du CB, qui ne cesse de faire de grands vainqueurs, fera de nouveau la monte au Haras du Lion en 2015, tandis qu'il s'impose comme une référence du trot français. Alors, Neutron du CB, en fait, c'est, je dirais pas c'est un deuxième Béléno, mais presque, dans le sens où il a la tenue, c'était un roc. Il subissait trois attaques dans son parcours sur une descente de 2800 mètres sans mollir. Précoce vainqueur à 2 ans, Neutron du CB a réussi une carrière formidable à l'athlée. L'un des meilleurs d'une génération très relevée, ainsi deuxième de Nikita Durib dans le critérium des 4 ans, groupe 1. Nikita Durib à l'extérieur, à la même fiche Durib. Peut-être un coup de deux pour Jean-Luc Laudersoir. Elle fait grosse impression, Nikita Durib. Nikita Durib va peut-être s'en aller maintenant. Nikita Durib, une femelle qui va gagner le critérium des 4 ans, c'est exceptionnel. Jean-Luc Laudersoir et Nikita Durib, une championne. En deuxième position, Neutron du CB. La troisième place pour Nadayak. À distance, on lutte pour les places. Nuage de lait finit bien avec Nobody du chêne. Nikita Durib, formidable jument. Jean-Luc Laudersoir pour le compte de Joël Allais. Nikita Durib, une jument qui remporte ce critérium des 4 ans avec l'arrêt et la bannière, fantastique. Également 3e du prix de sélection, groupe 1, combatif et batailleur, Neutron du CB a remporté 6 groupes 2. Le dernier de haute lutte face à Nouba du Saptel dans le prix Henri Lévesque sur les 2175 mètres de la grande piste en 1.11.8 à 1/10 de son record de 1.11.7. Nouba du Saptel qui finit fort, Nouba du Saptel, une jument qui attaque Neutron du CB, Nouba du Saptel, Pascal André Généin, peut-être l'avènement d'une jument d'exception à l'extérieur, Nouba du Saptel, puis Nijinsky Blue qui n'a pas son pareil pour finir, Neutron qui repart, Neutron devant Nouba du Saptel, quelle bonne jument, mais quel bon cheval Neutron du CB également. Il avait besoin de personne pour faire le tour de Vincennes, de la grande piste, il allait au poteau. Donc c'est un cheval très très dur qui a en plus l'air de retransmettre à sa production. Dès sa première génération, Neutron du CB a sorti 2 vedettes. La fameuse droitière Urfé Jalry, mais aussi le champion hongre monté, Uppercut de Manche, qui a abordé le meeting d'hiver 2014-2015 avec 3 succès de groupe à l'automne à Vincennes. Sourire de Boutré qui a toujours l'avantage, Uppercut de Manche qui va essayer de revenir le titiller et qui est toujours seul, 2e devant Kumba Diaz et Carnac de Liton. Sourire de Boutré qui a toujours le meilleur devant Uppercut de Manche qui se fait pressant désormais. Uppercut de Manche qui tente de venir chercher Sourire de Boutré, Uppercut de Manche. Ah, c'est serré, peut-être Uppercut de Manche tout à la fin à voir avec Sourire de Boutré. Neutron du CB au niveau de son papier, son père Chaillot qui est donc par Jette Duvivier. Jette Duvivier qu'on ne présente plus parce qu'il a eu son époque où il était très connu. Et derrière, il y a quand même UAUK par Kerjac. Donc c'est le bon papier. Le bon trotteur. Je pense que la jumenterie de Neutron peut éventuellement se pencher sur les américaines. Au contraire, pour amener aussi de la précocité. Étalon améliorateur, Neutron du CB fera la monte à 2500 euros poulain vivant au Haras du Lion en 2015.